Hey guys, my name's Seb and I'm the Associate Development Test Lead on Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Now on behalf of the whole development team, we want to wish you a warm welcome to this closed beta. Today, we are extremely excited to share with you the game that we've been working on for more than 4 years now. Ghost Recon Wildlands is the very first military shooter set in a massive, dangerous, and responsive open world that you can play entirely in four players co-op or in solo. During this closed beta, you'll be able to discover the very first hours of Ghost Recon Wildlands in the province of Itaqua, one of the 21 regions of our massive open world. At the same time, we are launching the Ghost Recon Network, the ultimate platform for all Ghost Recon players. Log in now to create your task force, compare your stats, or plan your upcoming game sessions. Please do not hesitate to join the community and share your best moments by using the following hashtag. A new version of the fan kit is also available if you want to decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. Let's go! Langue du texte, ok, langue du texte, français. Langue du dialogue, on a que anglais et français. Oh, fuck. Bon, ben, ça que ça, je voulais mettre japonais, hein. Bon. Mais, Hoyo Minasan, c'est Kensho. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la bêta de Ghost Recon Wildlands. Et ouais, j'étais sélectionné. On va dire, comme des milliers de personnes, on va dire. Donc voilà, bon, pour commencer je vais faire mon personnage, on va dire. Apparemment il n'y a pas vraiment de... On va dire, il n'y a pas vraiment de prologue, on va dire. Après ça, après ma création de mon personnage, je vais aller directement jouer avec deux membres de la FMS. Donc j'espère que je vais jouer avec eux bien, donc voilà. Donc voilà, alors j'ai déjà précommandé. Merci, au revoir. Comment c'est le jeu? Voilà, je suis gamma. On va mettre à 60, voilà. Une taille de l'écran, ça va. Ok. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessées. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des studios, et mon ami. Sandoval a passé, avec ces six dernières années, à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad, au ciel. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes, sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a imposé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca, mon dieu, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence.
Tout en haut, il y a un réfet des réfets. Le Big Boss des Big Boss. El Sueño. El Sueño. Oh là. Ah, ce jeu, je crois que je vais kiffer. Alors... Ce sont... je crois que les options, je crois que je vais les laisser telles quelles. Hein. Je vais éviter... je crois que je vais laisser comme tel. Hein. Pour la vidéo, ouais. On s'est fait automatiquement, je crois, les options. Allez, on va faire une nouvelle campagne. Non, je vais créer le personnage. Normalement. Donc là, c'est la création du personnage. En gros, vous allez voir tout en accéléré. Et après, ben, ce sera la fin de l'épisode, je pense. Et après, il y a un épisode. Le commencement, on va dire, de la game. Voilà. Donc là, il faut que ça charge. Alors, déjà, on choisit le personnage. Alors, en tout cas, ça sera un homme. Ah, quand on peut. Et voir. Juste pour le délire. On peut se mettre en femme ou en homme. Ok, d'accord. Ah, ça change pas le personnage. Je pensais que ça aurait changé le personnage. Là. Alors, la tête, visage. On peut pas lui enlever les... Attends, on peut pas lui enlever... Au moins que je vois le personnage quand même. Oh putain, mais c'est un truc de personnalisation de malade. Voilà. Du moins je peux voir le personnage. Ça c'est cool. Maintenant on va changer... Alors... La tête... Ok. Il y a beaucoup de personnalisation quand même. Oh my god. Voilà, on va prendre Walker. Hop là, yeux marron clair. Oh. Non, je vais pas prendre comme moi, j'ai. Je sais pas. Allez, si, on va prendre marron. Hop, let's go. Alors, pilosité, bûcheron, bazard. Ok. Routier. Je vais perdre la barbe sérieuse. Je commence un peu à l'avoir, mais il faut que ça pousse encore un peu. Allez, l'Iroquois. Yes. Et on peut pas choisir la couleur de. Ok. Ouais, ça le fait, ça le fait. Ah ouais, ouais, ça le fait. Comme ça, tac, tac. On peut pas choisir la couleur, ok, on peut choisir la... Ok, on se voit. Allez, maintenant on va faire l'apparence. Alors, détail du corps... Ah ouais, commando, ça c'est facile. Le chimère. Alors, vêtements, alors le t-shirt déjà, ça va être... Quoi? Bon, je sais, les tatouages ça sert à rien là. Ah si, on peut choisir la couleur là. Ah ouais. Ah putain. Là, j'ai con zappé qu'on pouvait... Ouais, on va mettre tout en bleu. Ah mais je crois que alors c'est comme ça alors. Je vais pas faire gaffe. Non, il n'y a pas de... dommage. On peut pas changer la couleur des... Ah si, couleur chaude. On sera noir, voilà. Couleur chaude, j'ai pas vu. Ah sérieux. On continue là avec ça, vêtements. Je vais pas être un snipe donc... Enfin si je suis un snipe un peu mais... Je serais pas avec chaussures, carrément. Une botte de travail, botte de combat et botte de randonnée. Je crois qu'on va prendre combat. Ghillie suite. Je vais pas prendre de Ghillie. Alors yeux. Ok.
cache-œil. Carrément un cache-œil. Ah ouais, ça le fait. Attends, on va faire le machin cache-œil. Ah, ça fait trop penser à un jeu, mais on ne rappelle plus quel dans quel. Masque à gaz, non, ça cache le truc. C'est chiant. Ah, un bandana. Ah, dommage, j'ai pas le truc. Un greffier. Ah, le greffier, ça fait pas mal, ouais. Chapeau. Ah, je suis très bonné, moi. Je crois que je vais prendre ça. On va prendre ça comme ça, voilà. Je sais, ça va être long, mais je sais pas. Non, je crois pas que ce soit long. Avec ça, ça fait cool. Voilà. On va mettre noir, voilà. Alors, les mains. Oh putain. Ah, je suis plus comme ça, mitaine Kevlar, c'est mieux. On met noir, voilà. Car on peut choisir le sac et tout, quoi. Voilà. Et le cuisson. Pour l'armée. Et je vais mettre la faucheuse. Voilà. Sauvegarder. Oui. Yay. Ouais, on va être en élite. Ouais. Voilà. La création de mon personnage est finie. Ouais. Donc maintenant, après, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas si j'ai trop remis dans le menu principal ou je vais être transféré directement dans une partie. Va savoir. En tout cas, ça va charger. Eh ouais. Hey, Paris. Ouais. Paris. Enfin, du moins, c'est juste un petit freeze. L'agent qui est mort. Vous étiez proche? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est le risque du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ah, j'aime bien commencer. Oh. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class de Manaus. Eh, hey, celui-là, c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du stop depuis Barranco au Pérou. Monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazone. Personne veut s'approcher d'un poivron dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. Ah, carrément. Il se clash comme ça, carrément. Oh. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Les ghosts. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle? À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être soigné. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chasse ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les STUP et l'Interarme. Serait votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pak Qatari, une fois au sol.
Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui tournez pas le dos, il risquerait pas. Ça va être cool! Ghost se déploie. Fun, c'est lui. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pak Katari, chef du groupe de résistants Katari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Katari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ses théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Ok. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention de ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. Ouah, mais ce jeu, il est what the fuck. Oh! Carrément, entre temps. Ouais, j'adore! On va dire, c'est un petit peu quand même un prologue, hein. Alors, bon, mais de là, je vais rejoindre vraiment des soldats d'armes, des compagnons d'armes. Ok, bon. Mais on se revoit après ça. Non, en fait, non, je veux dire. Mais je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. En fait, compte. Parce que là, c'était le prologue, on va dire, entre guillemets, la création de personnages, là, là. Donc là, ça va être le vif du sujet, ça va être le jeu. Donc là, je vais aller en coop avec mes potos. Bon, ben, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.